YouTube. Coucou. Coucou YouTube. Ça va bien? J'espère que vous allez bien. Moi ça va en tout cas. Ici Gazg pour la chaîne YouTube Gazg and Class. Gazg and Light. Pardon, j'arrive pas à le prononcer. C'est quand même con. Le mec, il a une chaîne YouTube, il arrive pas à prononcer le nom de sa propre chaîne YouTube. Est-ce qu'on peut faire vraiment beaucoup plus bête que ça? Je ne sais pas. On se retrouve aujourd'hui sur HOTS pour une vidéo. A priori pas trop longue, bon il y a l'air d'avoir quand même du contenu dans cette mise à jour, donc tout simplement pour présenter la nouvelle mise à jour de HOTS. Nouvelle, bon elle a quand même une semaine, mais bon voilà, donc je ne la connais pas, j'ai pas encore lu le contenu, vous voyez il y a quand même 8 euros qui ont été retravaillés, donc on va découvrir maintenant ensemble le contenu, et puis je vais vous donner mon avis. Donc évidemment je ne suis pas joueur pro, je suis loin d'avoir un niveau dégueulasse, mais ne prenez pas ce que je dis pour parole d'évangile. Déjà même si j'étais joueur pro, ce que je dis n'est pas forcément vrai, et donc là ça l'est encore moins. Ce que je dis n'est que mon avis, et c'est pas nécessairement parole d'évangile. Bref, c'est parti. Donc la première chose, on commence par les assassins. Donc le premier c'est Gal, donc celui qui ne contrôle pas le mouvement de Shogal, l'assassin, pas le tank, donc Gal. Donc niveau 1, bourrade actif, temps de recharge réduit de 30 à 20 secondes. Donc je ne sais pas ce qu'est bourrade, en fait je ne connais pas bien Shogal. Bon bref, on a une réduction de cooldown de 1 tiers, c'est puissant. Après je ne sais pas ce que c'est cet actif, j'avoue que Shogal c'est probablement le personnage que je connais le moins du jeu. Donc je ne me prononce pas. Niveau 7, réduction du temps de recharge augmenté de 1 à 1,25 secondes. Pareil, je ne me prononce pas, c'est un up. Brûleur de géant, dégâts augmentés de 3 à 3,5. Ça je connais, c'est sur le A, ouais c'est ça. C'est, en fait c'est le A que vous castez, avant faisait perdre 3% du maximum de points de vie de la cible. Maintenant il fait perdre 3,5% en plus des dégâts de base évidemment. Donc ça c'était très fort les 3%, parce que ce sort un tout petit cooldown. Donc en plus... je sais plus ce que c'est 3, 4 secondes, pas plus. Okay. Donc ce sort un petit cooldown, il n'y a pas de mana sur Gal, donc vous pouviez très souvent l'utiliser, donc 3%, mine de rien, en 10 secondes, vous avez fait 9% de la vie du personnage, parce que vous avez pu caster 3 fois le sort, voire 4, donc vous avez fait 9, 12% de la vie du personnage, plus les dégâts infligés par le sort, donc on arrive à 15-20% très rapidement, sachant que ça touche en ligne, ça s'arrête pas au premier personnage, donc vous pouvez faire ça à 2-3 personnages. Et donc là, on augmente de 0,5 les dégâts du maximum de points de vie. Donc, bah, c'est toujours ça à prendre. Donc, dans l'ensemble, là, Gal qui se prend un up, il n'y a rien qui est acheté. Dans tous les sens, ça l'augmente. Après, je ne sais pas si c'est des talents qui sont vraiment très pris, je ne sais pas si c'est des talents que vous prenez. Encore une fois, je joue très très rarement Gal. Je vais le voir niveau 5 ou 6, donc c'est vraiment que dalle. Donc voilà, mais bon, dans l'ensemble, c'est un up du perso. On passe à Gristet. Donc, d'ailleurs, il n'y a même pas de commentaire. On passe à Gristet qui a été pas mal retravaillé apparemment. Il y a quand même pas mal de choses. Donc, capacité, coup de rasoir, le A, dégâts réduits de 159 à 135, d'accord. À la gorge, c'est un ulti, dégâts réduits, ok. Marqué pour la Lali, dégâts augmentés. D'accord. Donc dans l'ensemble, on assiste à un nerf. Je vais juste commenter les capacités d'abord, je commente les talents après. Dans l'ensemble, au niveau des capacités, on assiste à un nerf de Gristet. En fait, Blizzard, on verra ce qu'ils disent dans les commentaires, en ont un peu marre parce que Gristet, on ne le voit que en forme loup-garou. Il est bien plus puissant en forme loup-garou qu'en forme humain, et donc les joueurs ne font que maxer le loup-garou. Donc coup de rasoir, c'est le A en forme loup-garou, donc vous voyez qu'il perd 24 dégâts au niveau 1 sur 160, ça fait quand même un huitième, même plus qu'un huitième, un peu plus qu'un huitième des dégâts, donc on est dans les alentours de 12%. 12% de dégâts en moins, c'est quand même énorme. Et à la gorge, donc ça c'est l'ulti en forme loup-garou, l'ulti qui fait qu'on saute sur une cible et qu'on lui inflige plusieurs coups. Et là vous voyez, ça perd énormément de dégâts, ça passe de 420 à 355. Ce qui fait une réduction donc de 45-65 dégâts sur 420. Donc là en pourcentage, ça fait je fais ça rapidement, ça fait 7%. N'importe quoi, je veux dire un septième des dégâts retirés,
ce qui nous fait pas loin de 15%, 15% de réduction de dégâts de l'ulti. Donc c'est énorme. Donc vous voyez bien, 12% en moins sur le A en forme loup-garou, 15% en moins sur l'ulti, c'est quand même un grand nerf. Et marqué pour la Lali, qui est l'ulti en forme humaine, ou je sais plus exactement ce que c'est, mais vous tirez sur une cible avec votre flingue, un truc comme ça. Et donc là, bah, vous voyez les dégâts augmenter de 68 à 190. Donc là, les dégâts font presque x3, augmentation de 200% de dégâts. Donc c'est énorme, on voit bien, encore une fois ce que je vous disais, ils veulent voir moins de loups-garous et voir plus d'humains. Parce qu'il faut bien savoir que, de manière générale, Blizzard, eux, ce qu'ils veulent, c'est que tous les talents soient pris. Ils ne s'intéressent pas seulement aux compétitifs, ils regardent l'ensemble des joueurs qui jouent au jeu, et ils veulent avoir des stats où il n'y a pas un seul build qui est fait, ils veulent qu'il y ait 2-3 builds par personnage, qu'il n'y ait aucun talent dans l'idéal, aucun talent qui ne soit jamais pris, puisque c'est pas l'intérêt, c'est pas pour ça qu'ils créent les talents, c'est pas pour qu'ils soient jamais pris. Donc voilà. Donc là, ils cherchent pas à tuer la forme loup-garou, ils cherchent juste à la rendre un peu moins puissante, parce que c'est vrai qu'elle est pétée, et ils cherchent à augmenter un peu la forme homme. Donc maintenant, on va voir les talents assez rapidement. Donc, niveau 1, cœur de loup, donc c'est sur le Z, ça fait, c'est le truc qui fait que vous augmentez la vitesse de frappe. Réduction du temps de recharge par attaque diminué de 1 à 0,8 secondes. Je sais plus exactement comment il fonctionnait ce truc, c'était quoi? C'est un truc où vous mettiez chaque coup. Ouais, c'était ça en fait. Ouais, c'est ça. Le Z, si je me souviens bien, ça augmente votre vitesse d'auto-attaque genre de 50%. Et tant que vous, ça dure 3 secondes, je crois, tant que vous mettez un coup, ça reset à les 3 secondes. Mais si vous mettez pas de coup pendant 3 secondes, le sort est fini et il y a genre 15% de cooldown. Pardon, je recommence, il y a genre 15 secondes de cooldown. Donc c'est un sort avec un très long cooldown. Et donc, en fait, chaque attaque qu'on mettait pendant que ce sort était actif, donc tant que les 3 secondes ne sont pas finies, je rappelle, chaque attaque remet la durée de 3 secondes à 0, donc c'est-à-dire, vous mettez une attaque, vous attendez 2 secondes, il vous reste 1 seconde, si vous remettez une attaque, ça repasse à 3 secondes. Voilà, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc chaque attaque que vous mettiez pendant que ce sort restait actif, tant que les 3 secondes ne sont pas achevées, réduisez de 1 seconde le cooldown de ce sort. Donc c'est-à-dire, vous activez votre sort, vous avez une augmentation d'auto-attaque, de vitesse de frappe de 50% par exemple. Je ne sais plus exactement combien c'est, je crois que c'est 50%. On va dire que vous avez mis 10 attaques pendant ces 3 secondes, enfin ces 3 secondes théoriques, en vrai c'est plus. Vous avez mis 10 attaques pendant l'activation du sort. Donc à la fin, le sort s'achève, il se met en cooldown. Théoriquement 15 secondes, vous avez mis 10 attaques, moins 10 secondes, ça fait seulement 5 secondes. Et puis vous pouvez de nouveau l'activer. Donc c'était extrêmement fort, ça vous permettait en fait d'avoir presque toujours, parce que c'est pas si compliqué de ça, de mettre une dizaine d'attaques ou plus, puisque ça marche contre les minions, c'est pas seulement contre les héros. Donc ça vous permettait toujours d'avoir plus de 50% d'auto-attaque. Donc en fait, plus 50% de dégâts, tout simplement. Et donc là, bah, ils réduisent de 1 à 0,8 secondes, ça enlève 20%. Ça permet d'essayer de faire qu'ils soient moins tout le temps. C'est pas français ce que je viens de dire, ça permet d'empêcher que Gristet soit tout le temps à plus 50% d'auto-attaque. Donc on va voir si c'est effectif. Niveau 4, yeux dans l'obscurité, durée du camouflage réduite de 4 à 3 secondes. Ça, je crois que c'était quand on passait de la forme loup-garou à la forme humaine, c'était un talent qui était très pris, ça rendait camouflé pendant 4 secondes, donc maintenant c'est 3 secondes. Réduction de 25%, encore une fois, c'est énorme. D'ensemble, pour l'instant, c'est un nerf général, hein, mais Gristet était très fort, c'est normal. Niveau 7, élixir incendiaire, bonus aux dégâts conféré par les cumuls de quêtes augmenté de 10 à 15, bonus aux dégâts maximal augmenté de 150 à 225. Donc, sur le premier, on a un up de 50%, c'est énorme, et sur le deuxième, on a un up de 75, donc encore une fois 50%. Mais c'est normal en fait, puisque c'est un truc qui se cumule. Okay. Donc là, on augmente la puissance de ce talent de 50%, c'est énorme. Et élixir incendiaire, ça concerne le A de la forme humaine. Donc encore une fois, il cherche à améliorer, à rendre la forme humaine plus viable vis-à-vis de la forme loup-garou. Et enfin le dernier, et puis après on lira les commentaires de Blizzard, voir si ce que j'ai dit c'est pas trop de la merde, on espère que non. Niveau 20,
Déchaîner R, bonus aux dégâts par victime augmenté de 25 à 35% jusqu'à un maximum de 140%. Je sais pas ce que c'est que ça. J'imagine, vu le reste, que c'est quelque chose qui s'applique sur marqué pour la Lali, la forme de l'ulti humain et pas et non pas la forme loup-garou. Donc je sais pas trop ce que c'est, mais là c'est un gros up. Voilà. C'est un énorme up. Voilà. Après, je connais pas ce talent. Greyman, c'est pas non plus un personnage que je joue souvent. Grustette, pardon en français. J'arrive pas trop à le jouer. Il est puissant, je dis pas qu'il est nul, mais moi j'arrive pas à le jouer, ça me correspond pas. C'est un personnage que je connais pas très bien. Pas de chance pour l'instant, ça fait deux persos que je connais pas très bien. Donc je connais pas ce truc là, mais en tout cas c'est un gros up, de toute évidence. Commentaire des développeurs. Sommes plutôt satisfaits de la façon dont Grustette s'en sort, mais il nous semble un peu trop explosif pour un héros censé se reposer sur ses attaques de base. Pour y remédier, nous réduisons les attaques d'à la gorge, donc le A. Non, à la gorge, l'ulti. Forme loup-garou et coup de rasoir, le A forme loup-garou. Nous augmentons également les dégâts de marqué pour la Lali, l'ulti forme humaine. Si l'objectif de cette capacité héroïque est de rendre un héros vulnérable sur le long terme, en augmentant les dégâts infligés, nous réduisons le manque à gagner lorsque vous renoncez à relancer la capacité. Réduisons le manque à gagner parce que vous renoncez. D'accord. Ok. Bon. Voilà. De manière générale, c'est un peu ce qu'ils disent. Et voilà. Ils sont assez contents de ce personnage. Ils l'estiment tout de même un peu trop fort. Donc ils le nerfent. Et ils nerfent la forme loup-garou et pas la forme humaine. Suivant. Gul'dan. Gul'dan. Bon. Il n'y a pas grand chose. On va aller un peu plus vite sur ce personnage. Parce que je sais pas combien de fait déjà la vidéo. Mais faudrait pas. Je veux pas faire une vidéo d'une demi-heure sur une mise à jour. C'est trop chiant pour vous. Donc, niveau 1, écho de corruption E, nombre de héros touchés requis pour terminer la quête, augmenté de 30 à 35. Donc ça, c'était un truc qui faisait que votre E, c'est les 3 cercles là, qui est hyper puissant, c'est un truc, ça deal des dégâts énormes. Quand ça touchait 30 héros, genre le dernier cercle, il tapait beaucoup plus fort, je crois que c'est ça. Donc maintenant, faut plus toucher 30 héros, faut toucher 35. Donc, c'est un petit nerf. Mine de rien, ça fait la différence, ça permet de faire venir le truc 2-3 minutes plus tard dans la game. Ça peut faire la différence, je trouve que c'est une bonne chose. Pour moi, Gul'dan est trop fort. Donc on va voir le reste, mais pour moi, Gul'dan est trop fort. On va voir ce qui disent par la suite. Niveau 7, épuisement maléfique. Donc c'est toujours le E, durée du ralentissement augmentée de 2 à 2,5 secondes. Donc là, le E, donc toujours la série de 3 cercles qui est marquée au sol, il y avait un talent qui permettait de le ralentir les ennemis. Voilà, le ralentissement n'était pas très fort. Donc c'est vrai que pour moi, 2 secondes d'un ralentissement faible, je sais pas combien c'est genre 20%, 30%, ça vaut pas grand chose. Et je pense, je mettrai pas ma main coupée, mais je pense que c'était pas énormément choisi. Je connais pas les stats sur Gul'dan. Et donc là, ils augmentent de 2 à 2,5 secondes, ça fait une augmentation de 25% du ralentissement en durée. Donc je pense que là, c'est une bonne chose par contre. Je pense que c'est une bonne chose, parce que comme je vous dis, pour moi, c'était trop faible ce talent-là, donc il devient un peu meilleur. Niveau 13, gang armure, réduction des dégâts subis des capacités réduites de 30 à 40%. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'était quand vous balanciez votre premier sort, le A, le sort en cône qui balance des flammes vertes, pendant quelques secondes, vous aviez des dégâts réduits, vous subissiez 30% de dégâts en moins. Et donc maintenant, ils sont passés à 40%. Et c'est vrai que pareil, je pense que cet atout était très rarement pris parce qu'au même niveau, vous avez un truc qui, si je dis pas de conneries, vous donne 25% de vie en plus. Tout simplement. Genre, vous gagnez 25% de vie en plus. Par contre, si vous mourrez, vous avez un cooldown un peu plus long. Donc du coup, en fin de compte, là, ça réduisait les dégâts de 30%. Donc c'est comme si en fait, ça donne 30% de vie en plus. Mais c'était que périodique. Ça ne durait pas tout le temps. Et à côté de ça, vous aviez 20% de vie en plus. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc d'un côté, vous aviez un talent. Bon, certes, si vous mourrez, vous avez un cooldown plus long. Mais le but, quand on joue un personnage, c'est de ne pas mourir, justement. Et c'est pour ça que vous réduisez les dégâts infligés, c'est pour ne pas mourir. Donc vous gagnez 25% en vie de plus, ce qui est énorme. Et de l'autre côté, Gangra Armure, c'est comme si ça vous donnait 30% de vie en plus, mais seulement de manière temporaire. Un peu comme le truc qui vous donne un bouclier, là, qui donne 30% de votre vie en plus. Donc en fait, ça valait pas le coup par rapport aux 25%, parce que les 25% sont là tout le temps que vous lanciez votre sort ou pas, alors que Grand Armure, c'était que
très ponctuel. Donc effectivement, c'est une très bonne idée de passer de 30 à 40% pour, là encore une fois, c'est comme si ça augmente de 40% votre Vmax, mais seulement de manière temporaire, évidemment, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc pour moi, c'est très intéressant, ça va permettre que cet atout ait un intérêt vis-à-vis de l'autre atout qui donnait 25% de vie en plus, qui était bien plus puissant avant. Donc pour moi, c'est un très bon rep. Niveau 16, Flamme Infernale, le A, le bonus aux dégâts est augmenté de 6% par cumul pour un maximum de 30% à 8% par cumul pour un maximum de 40%. Donc ça, ce talent-là, c'était, vous êtes 5 stacks, et en fait, à chaque fois que vous balanciez votre A sur un ou plusieurs héros, ça donnait un stack. À chaque fois que votre A infligeait des dégâts à des héros, ça donnait un stack. Je sais pas si ça comptait sur les minions, je crois que c'était que sur les héros. Ça donnait un stack qui augmentait vos dégâts infligés seulement au sort, si je dis pas de bêtises, de 6%, jusqu'à un maximum de 30%. Et ça durait 3, 4, 5 secondes, je sais plus. Donc du coup, vous cassiez votre A, plus 6% de dégâts, et ainsi de suite. Et évidemment, comme pour Gristet, à chaque fois que vous retouchiez, ça remettait cette durée de 3, 4, 5 secondes à 0. Je crois que c'est 5 secondes. Et donc, ça permettait d'être plus fort, voilà. Après, là encore, je pense qu'effectivement, du coup, il up le truc, voilà. Je pense que là encore, c'est pas forcément une mauvaise idée, parce que c'est vrai que sur les premiers, deuxième coup, il fallait vraiment attendre 3 coups pour que ce soit très fort. Ça passait à 18% au bout de 3 coups, alors que là, au bout de 2 coups, on est déjà à 16%, alors qu'avant, on était à 12%. Donc, pour moi, c'est mieux, effectivement, ça permet d'être plus fort de manière générale, mais surtout d'avoir un plus fort impact dès le début, alors qu'avant, c'était un peu faible. Niveau 16, ténèbres intérieures très... Bah voilà, tout simplement, pourquoi ça valait pas forcément trop le coup. Bonus aux dégâts augmenté de 20 à 25%. Voilà. Bon, là encore une fois, c'est augmenté, ça fait plus mal, mais il y a une plus grosse différence entre 30 et 20%, enfin, il y a une plus grosse différence entre 40 et 25% qu'entre 30 et 20%, parce que c'est deux traits niveau 16. Donc qu'est-ce que dit Blizzard ? Enfin, dans l'ensemble, donc là, on a quand même un up, hein, dans l'ensemble. J'ai commencé à dire qu'il y avait un petit nerf au début, et que pour moi, c'était une bonne chose, parce que je trouvais Gul'dan trop fort. Apparemment, Blizzard n'est pas de cet avis. Ils ont fait des petits ups. Après, les ups que je vois, j'ai l'impression que c'est plus, comme je disais tout à l'heure, pour diversifier les builds. Ce certain talent était trop peu pris. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même un bon up de Gul'dan. Donc, bien qu'il possède un taux de victoire acceptable entre les mains de joueurs expérimentés, donc... Comme je disais, il était très fort. Moi, au niveau auquel je joue, il était très fort. Moi, je joue en platine. Donc, c'est loin d'être les meilleurs, mais ça reste quand même... ça commence à être vraiment le... Enfin, pas le top des joueurs, mais je veux dire, les joueurs commencent vraiment à jouer bien. Il n'y a plus 30 kills par game. Il n'y a plus des gens qui se suicident dans tous les sens et tout. Ça commence à être pas mal. Donc, c'est ce qu'ils disent. Bon, évidemment, ils pensent plus à la scène pro, maître, diamant... Donc bien qu'il possède un taux de victoire acceptable entre les mains de Jorante, il nous semblait que Gul'dan avait besoin d'un petit coup de pouce et quelques ajustements de talent pour rendre ses paliers plus compétitifs. Il s'est avéré que la quête écho de corruption, donc le premier, était souvent terminée bien trop tôt, c'est ce que je disais, pour un effet aussi puissant. C'est ce que je disais, que ça rendait très puissant et que c'était assez rapide à faire 30. Nous constatons également que son talent affliction, ils n'en parlent pas, affliction funeste, est associé à un taux de victoire plus élevé que ses autres talents de niveau 16. Donc c'est ça, il y avait bien un talent, c'est ce que je disais, c'est que les autres là ne valaient pas le coup. Je ne sais pas ce que c'est Affliction Funeste, j'ai oublié. Plutôt que d'altérer ce talent, nous avons décidé de renforcer les autres options afin de rendre l'ensemble du palier plus compétitif et d'amplifier sa montée en puissance en fin de partie. Donc c'est ce que je disais, effectivement dans l'ensemble, il up Gul'dan, mais de manière plus late. Avant il était puissant trop tôt, et ils cherchent effectivement, ils n'en parlent pas pour le talent de niveau 7 ici et le talent de niveau 13, ils n'en parlent pas parce qu'ils ne vont pas tout dire dans le texte, mais effectivement ils cherchent à rendre plus diversifié le choix des talents par les joueurs. On passe au soutien Auriel, il y a pas mal de changements sur Auriel, on va regarder, je vais faire très peu de commentaires parce que je ne connais pas Auriel, je ne l'ai encore jamais joué, il faut vraiment que je le fasse, il faut que je teste ce personnage, c'est le seul personnage du jeu que je n'ai jamais joué et que je ne connais pas, mais vraiment pas du tout, enfin je connais son ulti,
un ou deux sorts, mais je connais même pas l'ensemble de ses sorts. Je sais qu'elle a pas de mana, mais je sais pas comment ça fonctionne. Donc bref, j'ai hâte de discuter là-dessus, mais je ne connais pas Auriel. Donc là, je vais pas donner mon avis, je vais juste vous dire si dans l'ensemble, elle se prend un gros up ou pas. Ça, on va bien le voir tous ensemble. Donc, ils augmentent les attaques de base de 48 à 60, c'est énorme. En termes de, justement, je trouvais qu'elle tapait fort. Donc effectivement, dans l'ensemble, là, j'ai l'impression qu'ils augmentent les dégâts. Donc, augmente les dégâts des attaques de base 48 à 60, c'est énorme comme up, plus 12 sur 48, ça fait plus 25% de dégâts, c'est énorme. Capacité, le A, les dégâts extérieurs sont réduits de 80 à 75 et les dégâts centraux réduits de 160 à 150. Bon, donc je sais pas trop comment je ne sais pas comment fonctionne ce sort, mais bon, voilà, on voit que c'est un petit nerf de ce sort, c'est pas énorme comme nerf vis-à-vis en fin de compte, avec les dégâts d'attaque de base qu'elle fait en plus, c'est pas un gros nerf. Résurrection, temps de recharge réduit. Sérieux? Ah bah ça, je trouve ça un peu abusé, parce que justement, c'est l'outil que je connais avec Auriel. Il permet de ressusciter un allié. En gros, pendant tout le temps que cet allié est mort, il est un endroit mort et elle peut le ressusciter. C'est pas genre, elle a pas une fenêtre de 5 secondes, 10 secondes pour le faire, c'est tout le temps. Tant que t'as respawn. Ou presque. Et donc, là on nous dit que c'est un ulti qui permet de ressusciter un allié mort. Donc c'est très puissant, c'est hyper puissant, surtout en late game. Quand on a, en début de game, quand il y a 30 secondes de mort, c'est puissant mais c'est pas si fort que ça. Mais en late game, quand quelqu'un qui meurt c'est 50 secondes, c'est hyper fort. Donc il faut focus Auriel. Ça fait partie des rares supports avec Morales qu'il faut absolument focus. Parce que sinon vous faites un kill et ça sert à rien. Parce qu'elle le ressuscite derrière. Bon, après, si vous détruisez la team ennemie, il n'y a pas besoin de spécialement focus Auriel. Il faut juste l'empêcher de caster son sort. Bref, donc on a réduction de cooldown de 90 à 70 secondes. C'est super fort. Et une portée augmentée de 4 à 5. Je me rends pas compte. Je sais pas ce que ça veut dire vraiment la portée. Mais bon, dans l'ensemble, ça veut dire que son sort peut être casté d'une portée 25% plus grande. Donc, elle a besoin de se mettre moins en danger pour caster son sort. Je me rends pas compte, on parle jamais de portée dans HOTS comme ça, de 4 à 5. Ce genre de portée, on n'en parle jamais. Donc, en fait, je me rends pas compte de ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est une grande portée le sort. Mais en tout cas, ça veut dire que le sort a une portée augmentée de 25%, tout simplement. Donc, c'est un énorme up de l'ulti. Après... Si c'est un énorme... Blizzard a énormément de stats, donc s'ils l'ont fait, c'est qu'ils estimaient que l'ulti était trop faible. Mais c'est un énorme up. Talent niveau 1. Bonus aux dégâts conféré par chaque cumul de quêtes réduit de 3 à 2. Donc là, c'est un gros nerf du truc. Je sais pas vraiment si c'était pris, je sais pas trop ce que c'est, mais là, c'est un gros nerf. Nombre de héros touchés requis pour terminer la quête augmente de 20 à 25. Comme pour Gul'dan, c'est un gros nerf, mais c'est encore pire. Parce qu'en proportion, c'est pire. Bonus aux dégâts, une fois la quête terminée, augmenté de 60 à 70%. Par contre, là, c'est un up. Le bonus de dégâts total reste fixé à 120. Donc, en gros, ce qui se passe, voilà. Je connais pas ce talent, mais ce qu'il veut dire, c'est que, en gros, vous aviez un truc sur votre A. À chaque fois que ça tapait des héros, j'imagine, ça augmentait vos dégâts de 3 jusqu'à 20 charges. Ce qui fait 20 x 3 plus 60 dégâts. Et là, vous gagnez, c'est bien ce qui est écrit, vous regagnez un bonus de 60 et donc votre sort faisait 120 dégâts en plus. Donc maintenant, ce qui se passe, en fait, ceux qui veulent, ce talent, en fin de compte, fait toujours autant de dégâts. Parce que le bonus de dégâts total reste fixé à 120. Mais tant que vous n'avez pas réussi à atteindre les 25, il reste moins fort. Tant que la quête n'est pas remplie, ce talent est moins fort. Puisque avant, 20 charges donnaient plus 60. Bon, sans compter le bonus de 60 donné aux 20 charges, avant 20 charges donnaient plus 60. Maintenant, 20 charges vont donner seulement plus 40, ce qui fait 30% de dégâts en moins. Donc, un tiers de dégâts en moins. Donc, seulement 40. Et vous n'aurez même pas le bonus plus 70 à ce moment-là. Il faudra en faire 5 de plus. Donc, en gros, ça rend ce talent toujours aussi puissant. En termes de dégâts, 120, c'est beaucoup. Donc, ça me paraît être un talent bien puissant, je pense qu'il est très pris, vu de toute façon ce que Blizzard lui fait, il devait être très pris. Donc ça rend ce talent toujours aussi puissant dans l'ensemble, en late game, mais en early game ça le rend beaucoup moins puissant tant que les 25 charges ne sont pas atteintes. Donc je pense que c'est bien, parce que je trouvais que ce sort faisait mal. Donc je pense que c'est un bon nerf. Voilà. Ça permet de l'axer plus late game.
Niveau 7, énergie réduite. Alors, sur le dé, donc c'est, ça veut dire qu'elle peut activer son trait. Ça, par exemple, je ne savais pas. Je vous dis que je ne connais pas bien du tout Auriel. Énergie réduite de 25 à 20% des dégâts subis par la cible de Don Espoir. Ça a l'air d'être un nerf, de toute évidence. Mais je ne sais pas ce que c'est. Lueur d'Espoir Z. Réduction du coût en énergie conférée par les globes augmentée de 35 à 50%. Bon, ça c'est un énorme up sur ce truc-là, mais vu ce qu'il y a écrit, je suis pas sûr que ce soit très pris comme talent. Après, voilà, j'ai pas bien compris. Code sacré Z, énergie conférée par les attaques de base d'Auriel augmentée de 100%. Bon, je connais pas Auriel, je comprends pas là ce qu'ils disent. Donc, suivant. Niveau 13, éclair aveuglant A. Durée d'aveuglement réduite de 4 à 3 secondes. Donc, elle était capable à son A. Ok, elle pouvait faire que son A aveuglé. 4 secondes, c'est énorme. L'aveuglement, dans un shot-test, ça veut dire que toutes vos auto-attaques, vos attaques de base, ratent leur cible. Donc, pendant 4 secondes, vous n'étiez pas capable d'infliger de dégâts avec vos auto-attaques. Pas avec les sorts. Les sorts fonctionnent toujours. Donc, contre, avec Jaina, avec Kael'thas, c'est pas gênant. Mais par contre, avec Illidan, c'est très gênant. Avec Vala, c'est très gênant. Avec Tikus, c'est très gênant. Avec Raynor, c'est très gênant. Je vais pas tous vous les faire. Thrall, pareil. Je vais pas tous vous les faire. Ça fait un paquet de personnages qui sont très sensibles à l'aveuglement. L'aveuglement est extrêmement puissant dans Heroes of the Storm. Et donc, pendant 4 secondes, c'est hyper long. Là, ça passe à 3 secondes, ça me paraît bien. 4 secondes, c'est vraiment trop long. L'aveuglement de Lily... Bon, je crois que c'est 4 ou 3 secondes aussi, ce qui est très long. L'aveuglement de Johanna, déjà, c'est beaucoup moins. Donc, pour moi, c'est un bon nerf. 4 secondes, c'est un aveuglement, c'est trop long. Surtout que là, c'est un truc que vous pouvez facilement faire toute la team. Johanna, pareil, c'est pour ça qu'il n'est pas très long. Mais alors que Lily, ça ne touche que 2 cibles, je crois. Ça peut aller jusqu'à 3 ou 4. Bon, quand c'est 4, ça fait beaucoup. Mais quand c'est 2, ça va encore. Bref, suivant. Résolution d'airain R, la durée de l'effet de résistance aux dégâts est augmentée de 4 à 5 secondes. Donc j'imagine que ça, je ne suis pas sûr, hein, encore une fois, je ne connais pas Auriel, j'imagine que ça faisait que, une fois, si on prenait l'amélioration d'ulti de résurrection au niveau 20, ça faisait que après que l'allié ait été ressuscité, il prenait tant de pourcents de dégâts en moins, à mon avis ça doit être, je sais pas, 25, 30, 40% peut-être, pendant 4 secondes. Donc maintenant, ça passe à 5 secondes. Et un up, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense qu'il y a d'autres trucs qui restent meilleurs à prendre au niveau 20. En général, c'est très rare qu'on améliore l'ulti niveau 20, parce qu'il y a souvent mieux. Enfin, c'est rare. C'est rare que c'est ce qu'il faille faire. Hein. Ça, en partie rapide, beaucoup de gens font ça, mais croyez-moi, dans la plupart des cas, faut pas le faire. Il y a des cas où il faut. Je dis pas qu'il faut jamais le faire, mais il y a plein de cas où une téléportation est mieux. Par exemple, sur Hammer, ne prenez jamais l'augmentation d'ulti, prenez plus 20% de vitesse d'attaque, plus 20% de portée, c'est bien meilleur. Bon, bref, j'ai dit vidéo pas trop longue, je pense que là on est déjà au moins 20 minutes, donc je vais accélérer. Donc commentaire, Auriel a fait une entrée en scène remarquable, nous sommes heureux de voir un peu de sang neuf et d'espoir parmi les héros de soutien, mais nous, oui, c'est vrai que ça a l'air d'être un soutien très différent du reste, mais nous pensons que son taux de victoire va continuer d'augmenter à mesure que les joueurs perfectionneront leur maîtrise de ce nouveau personnage, ce qui est logique. Évidemment. C'est pourquoi nous réduisons la puissance des talents d'arc vertueux, ce que je vous avais dit qu'apparemment ça devait être un truc très pris parce que ça a l'air très puissant, en plus de diminuer le gain d'énergie de lien empathique. Par ailleurs, une proportion de ses dégâts et donc de ses gains d'énergie proviendra désormais de ses attaques de base au lieu d'arc vertueux, car celle-ci n'était pas aussi efficace que nous l'aurions voulu et il n'y avait que peu d'intérêt à se risquer à les utiliser. Effectivement, c'était des auto-attaques très faibles. C'est pas très intéressant, c'est un peu comme Morales, c'est pas très intéressant de faire des auto-attaques avec, parce qu'elle tape vraiment pas fort. On passe à Hammer, donc ça, j'ai vu qu'ils avaient touché Hammer, j'ai pas regardé quoi, donc j'espère que vous n'avez pas détruit ce perso, c'est un de mes héros préférés, c'est le seul, enfin c'est pas le seul, je veux dire, c'est, j'en ai 3 qui sont niveau 10 et plus, et Hammer fait partie d'eux, j'ai beaucoup de niveau 9-8, mais... peu de niveau 10 et plus. Donc s'il vous plaît, ne niquez pas Hammer. Donc on va voir ça. Capacité, les propulseurs, le théoriquement W, le truc qui fait que vous allez plus vite, le propulseur. Les propulseurs seront toujours actifs dans le hall des tempêtes. Ce qui fait que quand vous retournez à la fontaine, vous avez un petit boost de mouvement pour revenir plus vite sur votre lane. C'est cool. Artillerie, trait, augmente désormais également la portée des attaques de base de Sergent Marteau de 20%. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. J'ai l'impression qu'ils disent tout simplement que
Mais ce que je comprends pas, c'est que le trait de hammer, c'est pas un actif. Je sais même plus ce que c'est le trait de hammer. Attendez, je vais regarder parce que j'ai Heroes of the Storm en arrière. Donc on va aller regarder ça. Parce que pour moi, le trait de hammer, c'est juste qu'elle fait plus de dégâts à longue portée. Hammer là. Ok, hammer. Désolé hein, pour ce petit truc. Alors le trait. Les attaques de base. Ah oui, than other range heroes. Ouais, c'est bizarre. Ça veut dire en fait que donc vos attaques de base ont une portée 20% de plus loin que les autres héros qui ont héros à distance sur le champ de bataille évidemment. Donc du coup, je sais pas comment ça fonctionne avec Raynor parce que Raynor c'est pareil. Donc voilà. Et j'imagine qu'ils doivent pas se compter, qu'ils comptent les autres. Et vos attaques de base font 30% de dégâts en plus contre les personnages à distance. Ok. Donc du coup, ce qu'ils disent maintenant, c'est que en plus ça augmente la portée de 20%, je comprends pas bien. J'imagine. Bon, je comprends pas bien comment ça peut aller avec le reste. Donc à voir in-game ce que ça fait vraiment, je comprends pas bien. Talent niveau 1, décharge mortelle Z supprimé. Je sais pas ce que c'était ce talent, c'était pas un truc que je prenais. Bon, on peut le voir ici. Talent. Ah bah non, du coup non. Il y est plus. Je suis con. Donc c'est marrant parce qu'en fait là je suis sur le RPT. Donc bref, un truc supprimé. Niveau 4, Obul Maelstrom passif supprimé. J'espère que c'est pas la portée. Oh non! Oh non, c'était le meilleur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont supprimé? Ils n'ont pas supprimé le meilleur du niveau 1, donc ça c'est bien. Je ne sais pas ce qu'ils ont supprimé, mais de toute façon, c'était un talent de merde. Et là, ils ont supprimé le meilleur talent de Hammer. Oh, je me suis dit, en vrai, ils ont raison, c'était trop fort. En gros, Obul Maelstrom, c'était 20% de portée en plus sur les... 20% de portée en plus, donc c'est hyper fort. C'était le truc à prendre, fallait rien prendre d'autre, ils l'ont supprimé. Oh, non, pourquoi vous avez fait ça, les gars? Donc c'est un énorme nerf, c'était le meilleur atout de loin, les autres ne valaient pas le coup, c'était de loin le meilleur. Niveau 7, système de refroidissement, donc le W, réduction du temps de recharge augmenté de 10 à 15 secondes, ouais, ne permet plus de rendre les propulseurs toujours actifs dans le hall des tempêtes, ne permet plus de rendre les propulseurs. Ça je comprends pas ce que ça veut dire, Sammy, mais en gros, ça c'était le niveau 7, c'était ça, qui faisait, donc vous voyez là en fait, pourquoi il y a écrit 10 secondes? Je comprends pas. Il y a des trucs qui sont appliqués, d'autres qui sont pas appliqués. Là, en fait, je suis dans le royaume public de test de Blizzard. Donc, c'est pas le vrai jeu. C'est bizarre. Bon, il n'y a pas tout qui est appliqué. Mais bref, ça veut dire que voilà, ça, avant, ça faisait que la réduction. Vous avez une réduction de 10 secondes sur vos propulseurs. Maintenant, ça passe à 15. Ça me paraît bien parce que je pense que ce talent était trop faible vis-à-vis du truc qui fait que vous regagnez 35% de votre vie, qui est selon moi quand même hyper fort et bien meilleur. Donc maintenant, ça le rend un peu plus valable. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Nous prévoyons de retravailler davantage notre char de siège favori à l'avenir, mais en attendant, il nous a semblé que Sergent Marteau avait besoin de quelques ajustements afin de rester dans la course face aux autres héros. Conçue à l'origine pour être l'experte des dégâts à distance, elle a depuis été surpassée par d'autres héros capables de harceler l'ennemi à distance comme Liming et Chromie, ce qui est vrai. Afin de l'aider à regagner sa place de DPS à distance redoutée, l'effet d'Obul Maelstrom fait désormais partie intégrante de son trait artillerie. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est trop bien ce qu'ils ont fait. Oh là 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 là. Ok, alors déjà que c'était pété, ok, on va refaire une vidéo sur Hammer là. Attendez-vous à voir sur la chaîne YouTube une autre vidéo sur Hammer. Du coup, elle devient pété. En vrai, avant Hammer, bien joué, c'était pété, mais c'était un truc de ouf. Et là, il la rend encore meilleure. Elle reçoit par ailleurs une amélioration de confort. Désormais, ses propulseurs seront toujours actifs lorsqu'elle quittera le hall de tempête, ce qui devrait lui permettre de revenir plus rapidement au front. Ça, c'est ce que je vous disais. Donc, en fait, c'est trop bien. Donc, ça, c'est bien ce que je vous disais. Enfin, non, c'est pas ce que je vous disais. J'avais pensé à ça, mais ça me paraissait très bizarre. Donc, en fait, ça veut dire que elle gagne 20% de portée. Et en plus, non, en fait, ça marche dans le sens. Ça veut dire que sa portée est réglée de manière à avoir 20% de portée en n'importe quel héros à distance sur le champ de bataille comme avant, et en plus ça gagne 20% en plus une fois que ça c'est réglé. Donc en fait c'est juste trop fort. Oh là 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 là, oh, c'est hyper fort ce qu'ils ont fait. Ok, bah je suis super content,
C'est un de mes persos préférés à Hammer. Il l'a up, donc ça fait toujours plaisir. Honnêtement, selon moi, ouais, c'est vrai qu'on la voyait pas en classé. C'est vrai qu'on la voyait très peu en classé. Donc c'est peut-être justifié. Mais pour les parties rapides, c'est trop fort. Je vais vous faire une vidéo dessus. Je vais tout déchirer avec, vous allez voir. Parce que du coup, ça veut dire très rapidement. Très rapidement. Je vous montre, ça veut dire que niveau 4, ça c'était de la merde. C'est de la merde. On prend toujours pas 15% de vie. On n'en a pas besoin. C'est de la merde. Vous avez ça pour regagner de la vie. Et vous avez un support. Ça c'est de la merde. Donc ça dégage. Avant, on prenait 20% de portée en plus. Mais il y a ça qui est très bien. Ça pareil, ça c'est de la merde, ça a fait que votre Z renvoie deux fois plus loin, c'est de la merde. Donc il y avait ça qui était pas mal, mais qui valait pas le coup par rapport aux 20% de portée. Mais du coup maintenant les 20% de portée on les a, donc on va prendre ça. Ça fait que chaque 10 secondes, votre prochaine attaque de base contre un héros fait 60% de dégâts en plus. C'est énorme. Et ensuite, chaque auto-attaque, chaque attaque de base réduit de 1 seconde ce temps de 10 secondes. Donc en gros, quand vous êtes en fight, ça va être toutes les 5 secondes, vous avez une attaque qui fait plus 60% de dégâts. Ce qui fait à peu près une augmentation de DPS de, du coup, faut diviser par 5, donc de 12% globalement. Voilà, c'est très grossier comme calcul. Mais voilà, donc c'est hyper bien. C'était pas suffisamment puissant par rapport à la portée, mais maintenant la portée on l'a, donc c'est pété. Vous allez voir, je vais vous faire une vidéo. Oh, je suis trop content. Bon, il faut que j'achève la vidéo là, je pense que vous allez avoir une vidéo de 40 minutes, je suis désolé. Mais bon, après ça peut être intéressant, dites-le moi dans les commentaires éventuellement, si vous aimez ce genre de vidéo. Mais je pense que c'est le genre de truc qui peut être intéressant d'un peu s'attarder dessus. Parce que je pense que la plupart d'entre vous, la plupart d'entre vous ne regardera pas ce genre de vidéo parce que ça vous cassera les couilles. Mais en vrai, pour moi, c'est très intéressant parce que je pense que la plupart d'entre vous jouent sans regarder la mise à jour et du coup, vous ne savez pas ce qui change et parfois, vous êtes surpris, vous faites défoncer par un héros qui a complètement changé ou vous jouez un héros que vous aimiez bien et qui va complètement changer comme Vala. Il y a Vala, là, j'ai vu sur le royaume public de test, Vala est complètement changé. Donc, vous arrivez dans une game, vous faites « Oh cool, je joue Vala », hop, elle est changée, vous êtes baisé, vous ne savez pas comment la jouer, vous vous faites niquer dans votre game parce que vous ne connaissez pas. Donc, si vous voulez être bon dans ce genre de jeu, il faut lire les mises à jour. Et donc là, vous avez mon avis. En plus, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais je pense qu'en vrai, c'est le genre de vidéo très intéressante. En tout cas, moi, c'est le genre de vidéo que j'adore quand je regarde des trucs sur des jeux. J'aime bien voir. Enfin bref, je continue la vidéo. Show. Donc, ils ont Upgal. Maintenant, on va voir Show. Niveau 7, je ne fais que ça. Durée augmentée de 1,5 à 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? W, donc c'est un sprint. Je sais plus ce que c'est, mais c'est un up. Niveau 13, c'est pas, ça va pas changer la face du monde. Je sais plus ce que c'est. Ça donne un... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on s'en bat les couilles. C'est un up. Niveau 13, réaction runique E, réduction du temps de recharge augmenté de 1 à 1,25 secondes. Pareil, c'est un petit up. Donc dans l'ensemble, Cho'Gall est un petit peu amélioré. Et je pense que c'est bien, parce que pour moi, Cho'Gall n'est pas un très bon héros. Il est très fort en partie rapide, parce que les gens ne savent pas jouer contre. Mais c'est pas un héros très fort. Par exemple, si vous le mangez avec Balafré, je pense qu'on peut le manger avec Balafré. A priori, Gal ne va plus faire de sort. Ça, en fait, il y a trop de trucs qui touchent un héros qui entre avec lui. Donc, comme par exemple l'ulti d'Anubarak, le cocon. Si je dis pas de conneries, Gal peut pas lancer de sort derrière. Voilà. Et puis, même s'il peut lancer de sort, il suffit de s'éloigner du cocon et en fait, ça vous fait deux personnages qui savent plus se battre. Donc, Cho'Gall, le fait qu'il soit deux personnages, c'est une énorme faiblesse, deux personnages en un. Donc, pour moi, c'est une bonne idée de le up. Il est un peu trop faible pour moi. Il vaut pas le coup. Balafré, up de Balafré. Up, je sais pas, j'ai pas encore lu. Modification de Balafré. Gavage, R. C'est son ulti, donc. Normalement, ouais, c'est ça. C'est l'ulti où il bouffe des gens. Temps de recharge réduit de 80 à 60 secondes. Coût en mana réduit de 80 à 70 secondes. C'est une bonne idée parce qu'en vrai, l'autre ulti est meilleur. Donc. Ça permet de rendre cette ulti bien meilleure, mine de rien. Ça réduit de 25% son temps de recharge. Bon, la réduction du coût de mana, on s'en bat un peu les couilles, même complètement, mais c'est toujours ça à prendre. Mais voilà, le cooldown, c'est très intéressant. Donc, ça rend cette ulti un peu meilleure, parce que vraiment, l'autre est beaucoup plus pris à haut niveau, en tout cas. Tyrael. Donc, Tyrael qui a pas mal été changé, et ce sera le dernier personnage. Après ça, on se quitte. Donc, soyez encore un peu patient, on n'a plus que pour 5 minutes. Je sais que c'est une longue vidéo et que la plupart des gens n'aiment pas les longues vidéos, mais je suis désolé. Voilà, c'est comme ça. Moi, honnêtement, je préfère vous faire une vidéo un peu plus qualitative plutôt que de survoler la mise à jour. Là, au moins, vous avez bien
mon avis. Je pense que ce que je vais faire, c'est en début, enfin pendant toute la vidéo, je vais vous mettre des time markers pour que vous cliquiez dessus, pour que vous alliez directement en fait au héros qui vous intéresse. Alors bon, c'est super utile que je vous dise ça en fin de vidéo, mais du coup je mettrai des annotations en début de vidéo, donc vous pourrez cliquer là où vous voulez pour voir directement mon avis sur Tyrael, sur Cho'Gall, blablabla, blablabla. Capacité. Donc, le A, temps de recharge augmenté de 11 à 12 secondes. Donc, un nerf du A, c'est quand il balance son épée et qu'il se TP dessus. Jugement, l'ulti, c'est l'ulti où il verrouille un ennemi et qui fonce dessus et qui le stun. Temps de recharge réduit de 80 à 70 secondes, c'est un up. Sanctification, temps de recharge augmenté de 70 à 80 secondes, c'est un nerf. Donc, en gros, comme pour je ne sais plus quel perso, je vais donner mon avis là maintenant sur les capacités. Ensuite, je parle des talents. Donc, en gros, ce qu'ils font, ils réduisent un petit peu son A. Bon, je pense que c'est un nerf qu'il n'avait pas besoin de se prendre dans la tête, Tyrael. Mais bon, A, quoique, c'est vrai qu'avec le truc où il empêche la zone, c'est un sort qui devient très fort. Bon, pourquoi pas? On va dire que Blizzard, c'est ce qu'ils font. Après, honnêtement, ça change pas la face du monde. Ça fait 9% d'augmentation de temps. C'est pas énorme. Par contre, ils améliorent quand même. C'est une bonne réduction, hein, 10 secondes sur 80, c'est quand même 70 secondes, c'est bien, donc j'espère que je dis pas de conneries, hein. Je crois que j'ai une connerie, je crois que je me trompe sur l'ulti. Je vais aller vérifier tout de suite en fait, je crois que j'ai inversé les ultis de Tyrael. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, je voudrais pas vous dire de conneries. Ok, c'est bon, je ne me suis pas trompé, c'était logique, vu les noms c'était logique, mais je ne me suis pas trompé. Ok, donc jugement, c'est cet ulti. Celui donc où vous foncez sur une cible et vous la stunnez. Et sanctification, c'est cet ulti qui n'est pas assez pris par les joueurs de partie rapide. Bon, là, vous ne voyez pas le texte. C'est un peu dommage. Vous ne voyez pas le texte. C'est pas assez pris par les joueurs de partie rapide. Mais c'est hyper fort. C'est pété. Ça fait que vous faites un marquage au sol qui est quand même assez grand. Et dans cette zone, pendant 3 secondes, tous vos alliés sont invulnérables, ils prennent 0 dégâts. C'est l'ulti. On est d'accord que tout le monde prend l'ulti d'invulnérabilité avec Uther. Enfin, la grande majorité des gens prennent l'ulti qui permet à Uther de rendre une cible invulnérable. Là, vous pouvez rendre toute votre équipe invulnérable. C'est hyper fort. Bon, il faut faire gaffe à derrière, pas se prendre un pogo par exemple. Mais dans l'idée, c'est super fort. On va juste aller voir Uther pour comparer le temps. 3 secondes. 3 secondes. Les deux, c'est 3 secondes. Donc, Uther rend un mec invulnérable 3 secondes. Bon, après, il peut aller où il veut. Tyrael peut rendre toute la team invulnérable 3 secondes. C'est hyper fort et c'est trop sous-estimé comme ulti. Mais en vrai, c'est ce que les joueurs pro prennent, etc. Donc, c'est pour ça qu'il nerf cet ulti qui est très fort, 70 à 80 secondes, et qui up l'autre, 80 à 70 secondes, pour espérer voir, encore une fois, Blizzard veut avoir 50% sur chaque ulti de manière générale, avec chaque perso, ils veulent que les deux ultis soient à peu près pris l'un autant que l'autre. C'est bien pour ça qu'ils ont mis deux ultis. S'ils veulent qu'il n'y en ait qu'un qui est pris, bah dans ce cas-là, ils mettent qu'un ulti. Ils font comme LOL. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Je pense que c'est une bonne idée, parce que pour moi, effectivement, cet ulti est trop faible, il a besoin d'un up, et cet ulti est trop fort, il a besoin d'un nerf. On passe au talent. Niveau 4. Forge Oradric, réduction du temps de recharge augmenté de 3 à 5 secondes. Bon, je sais plus ce que c'est, du coup, ce que je vais faire en fait, j'aurais dû faire ça à d'autres moments de la vidéo. Bon, du coup, elle aurait été encore plus longue, ça vous aurait fait encore plus péter un câble. Je vais regarder ce que c'est là maintenant en fait. Donc, c'est du niveau 4, ok. D'accord. Ouais, donc c'était si votre A touchait un ennemi, ça réduisait le cooldown de 3 secondes de votre A, maintenant ça passe à 5 secondes. Donc, attention, ça paraît être un énorme up, mais en fait, non. Je m'explique. Vous gagnez 2 secondes de cooldown de réduction, mais ils ont nerfé Tyrael, il y a une seconde de plus dans le sort. Donc en fait, en imaginant qu'on gardait le même sort qu'avant, c'est comme si ça passait de 3 à 4 secondes. Voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ça passe de 3 à 5 secondes, c'est vraiment pas mal, parce que 12 secondes, c'est long. 5 secondes, ça permet de descendre à 7 secondes, c'est pas mal. Je pense que ça va permettre que cet atout plus pris parce qu'il était vraiment pas pris selon si on veut le faire tant qu'on le prend avec ça, comme ça avec les supports, ça lui permet d'avoir un gros heal, etc. Je pense que c'est une bonne idée, ça va permettre à ce talent d'être plus pris. Niveau 7.
Talion, Z, dégâts réduits de 200 à 170. Je crois que c'est l'explosion sur le sort. Exactement, c'est ça. Donc, c'était votre shield. À la fin du shield, il explosait, il fait moins mal. Ok, pourquoi pas, j'avais pas l'impression que c'était pété, pourquoi pas. Grâce angélique A, vitesse de déplacement augmentée de 30 à 40. Donc apparemment, c'est ça, c'était à la après la téléportation, on bougeait 30% plus vite pendant 3 secondes, maintenant c'est 40. Je pense que ça va le rendre meilleur et que c'est bien. Attaque carbonisante supprimée. Ah oui, ça c'est le truc qui faisait que ses attaques tapaient 50% plus fort pour 25 de mana, c'était de la merde sur Tyrael. Enchaînement, passif ajouté. Donc on va voir ce que c'est tout de suite, enchaînement. Mais écoutez, il est pas là. Ah si, si il est là, je suis con. Oui, c'est juste que ça s'appelle pas du tout un enchaînement en anglais. Oui, d'accord, c'est ça. Alors, effectivement, c'est bien meilleur. C'est bien meilleur que le talent qu'ils ont supprimé dans le cas où vous cherchez à faire un Tyrael DPS. Ce qui, selon moi, est un peu compliqué. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc là, ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment homogénéiser les talents. Faire là, dans l'ensemble, je pense qu'ils sont tous à peu près aussi bons les uns que les autres. Après, bon, si vous voulez faire un Tyrael tank, évidemment, ça va plus être ça. Enfin, ça va être celui-là qui fait que vous subissez moins de dégâts pendant que vous avez votre bouclier. Si vous voulez faire un Tyrael DPS, ça va plutôt être ça. Un Tyrael pusher, ça va être ça. Enfin, voilà. Bon, après, quand j'ai Tyrael pusher, je dis pas que c'est une bonne idée qu'il faut le faire. Hein. Je dis si c'est ce que vous voulez. Ça devient un bon atout, etc. Enfin bref. Du coup, ça me paraît bien. Ça me paraît bien ce qu'ils ont fait là au niveau 7. Niveau 13. Volonté magistrale. Le Z. Correction d'un problème qui a empêché la réduction de vitesse de déplacement de ce cube. Bon, ok, ils ont corrigé un bug. Absorption angélique. Z. Les soins sont augmentés de 156 en 3 secondes à 208 en 4 secondes. Ok, donc en fait, là, vu la valeur, globalement, c'est juste... ça soigne en 3 secondes, on gagne toujours autant de PV, c'est juste que ça dure un peu plus longtemps et qu'on gagne un peu plus de vie. Regarde, c'est du niveau 13, c'est donc ça. Je pense que c'est une bonne idée parce que avant c'était ça qu'on prenait, parce que c'est bien plus fort que ça. Là maintenant, c'est quand même un énorme up de 30%, enfin un tiers, pardon. Quand je dis 30%, c'est un tiers, 33%. Donc c'est un gros up qui lui permet d'avoir beaucoup plus de self-sustain. Éventuellement, j'ai essayé de parler plus français parce que vous connaissez pas forcément les termes anglais. Donc ça, c'est ce qui il va permettre de se soigner lui-même beaucoup plus, de manière beaucoup plus forte. Voilà, ça veut dire qu'il a pas nécessairement besoin d'un support. Et je vous rappelle, dans le cas où on a pris le talent qui fait au niveau 4, qui fait que tous les heals sont augmentés de 30%, bah là. Avant, il gagnait 156, ça le passait à peu près 200. Ben maintenant, il gagne 200, ça le passe à peu près 280, ce qui est bien meilleur que ce qui est bien meilleur que 200. Enfin, passer de 200 à 280. Bref, donc voilà, vous avez compris. Donc, ça permet de le rendre bien plus résistant, ce qui est pas mal. Encore une fois, ça va homogénéiser les talents. À mon avis, c'est ce qu'ils vont dire, qu'ils essayent d'avoir moins de build, qui soit moins mono build. Et le Z, bonus de bouclier conféré par chaque allié augmenté de 35 à 45%. Donc ça, c'était un truc qui faisait que son bouclier, c'était ça, faisait que le bouclier de Tyrael était augmenté. Donc là, ça, de 35% par chaque héros touché. Là, ça passe à 45%, ce qui va le permettre de le rendre beaucoup, beaucoup plus tanky. Après, pour moi, ça reste toujours plus fort. C'est un truc qui fait que quand vous vous TP, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont passé le A de 11 à 12 secondes pour rendre ce talent un peu moins fort également, ce qui fait que quand vous vous TP l'endroit où il y a votre épée, ça marque une petite zone dans laquelle les ennemis ne peuvent pas rentrer. Donc c'est hyper fort pour voler un boss par exemple, c'est hyper fort pour voler tous les mercenaires, c'est super fort. Et puis en fight en soi, c'est fort, ça vous permet de d'écarter l'équipe ennemie et de rendre certaines personnes plus facilement touchables par votre équipe et de rendre certaines personnes adverses moins facilement les empêcher de rentrer dans la fight. Enfin, c'est très puissant comme atout, donc pour moi, ça reste meilleur que ça, mais au moins, ça permet de rendre Tyrael beaucoup plus tanky si on le veut. Voilà, donc là, je pense que maintenant, c'était pas le cas avant, mais là, vu les différentes augmentations qu'ils ont faites, je pense que Tyrael peut enfin devenir vraiment un gros tank. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut le jouer, je pense qu'il vaut mieux le rendre en tank moyen, le mec qui tank pas trop, mais qui a des sorts très utiles, mais en tout cas, maintenant, ça, je pense... On testera, mais je pense que ça peut vraiment devenir un gros tank. Un tank
qui tankent énormément, comme un Diablo, comme un Muradin, comme une Johanna. Enfin, pas forcément autant, mais le même type de tank. Voilà, donc c'est ce qu'on verra. Depuis la mise à jour de ses talents, Tyrael est monté en puissance de façon continue. C'est vrai qu'avant il était pourri, donc maintenant il est mieux. Il nous semble désormais judicieux d'affaiblir quelque peu l'archange de la justice, donc le A. Que je dise pas de bêtises. Pas du tout. Ah, mais non, je suis con. L'archange de la justice, c'est Tyrael. Je suis con. Donc, ils veulent. Dans l'ensemble, ils veulent le nerf. Pour moi, dans l'ensemble, ils l'ont un peu up. Mais bon, dans l'ensemble, ils veulent le nerf. Parmi les points majeurs à retravailler, certains talents se sont avérés un peu trop puissants. C'est ce que je vous disais. C'est pour ça qu'il y a ça au niveau 7. C'est pour qu'il n'y ait plus celui dont je vous parlais, qui soit tout le temps pris. Et quelques ajustements de ces temps de recharge semblaient nécessaires. En plus de ces corrections, nous allons également renforcer certains talents moins plébiscités afin que chaque palier offre davantage d'options intéressantes. Donc, encore une fois, ce que je vous ai dit pendant toute cette vidéo, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait que un ou deux talents pris à chaque niveau. Ils veulent vraiment voir un maximum de talents qui sont choisis. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait avec Tyrael. De toute façon, quand on voit qu'à un niveau, il y a plein de trucs retouchés, ça veut dire qu'avant, il n'y en avait qu'un seul qui était pris. En l'occurrence, le seul qui n'a pas été retouché, c'est celui-là. Et je vous disais que c'était le meilleur. Donc ça montre bien que c'est celui-là qui est largement le plus pris, même si d'autres restent viables. Mais du coup, voilà, ils ont changé tous les autres pour le rendre plus efficace. Enfin, si dit, ces deux-là, en fait, étaient très pris. Les deux étaient très pris. Celui-là était nerf. Donc, justement, ça montrait aussi qu'il était très pris. Mais voilà, ces deux-là étaient très pris selon si on voulait plus tanker ou faire un peu plus de dégâts. Parce que, mine de rien, Tyrael peut taper quand même assez fort. Bref, bon, dans l'ensemble, ils disent que c'est un nerf. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Hein, parce que le seul nerf qui s'est pris, c'est que son A dure plus longtemps. Bon, ils ont touché aux ultis, ok. Ils font que le A dure plus longtemps. Et le seul vrai nerf qui s'est pris, c'est sur ce sort-là qui fait moins de dégâts. Après, tous les autres, ça a été que des ups. Après, effectivement, en mettant que ce sort passe à 12 secondes et non plus 11 secondes, le A, ça force, entre guillemets, un petit peu à prendre cette réduction de cooldown pour qu'il passe à 7 secondes, ce qui est vachement plus intéressant que 12 secondes. Alors qu'avant, on aimait bien prendre ça pour le rendre vraiment tanky. Donc bon, voilà. Bon, dans l'ensemble, pour moi, c'est un up. Hein. Eux, ils disent qu'ils voulaient un peu plus le nerfer. Pour moi, c'est un up dans l'ensemble. On verra bien in-game. Mais voilà, bref. La vidéo s'arrête ici. Je pense qu'elle est bien assez longue. Donc la vidéo va s'arrêter ici. Je vais l'uploader tout de suite. Donc à tout de suite pour regarder cette vidéo. En tout cas, merci à tous de l'avoir regardé. Et surtout, si vous êtes encore là, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Parce qu'elle était, quand même assez longue. Ou en tout cas, merci à tous d'avoir cliqué à la fin juste pour m'entendre dire ça et de ne pas avoir regardé le reste de la vidéo. Bah les couilles. En tout cas, merci d'avoir fait cette vidéo. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À plus tout le monde.